C'est bon, oui. Ça devrait marcher. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Alors, en ce moment, je refais un diplôme. Je reprends les études. Je suis au milieu d'un diplôme qu'on appelle un diplôme sur les résolutions de conflits pour ramener la paix. Alors, c'est intéressant parce que en ce moment, on est en train de parler comment on peut aider un groupe comme un médiateur. On travaille avec les avocats, avec les juges, etc. Et une des choses dont on doit tenir compte quand on essaye de résoudre les conflits, c'est de quel type de groupe on a affaire, quel type d'organisation. Donc, ça fait une grande différence. Et en fait, les chercheurs ont estimé qu'il n'existe que 4 façons pour les êtres humains de se réunir, ou 4 prismes à travers lesquels on peut voir une réunion ou une assemblée de personnes, une organisation. Et voilà, il y a 4 mots pour décrire ces 4 groupes. D'abord, il y a le mot « usine ». Si vous pensez à une usine, peut-être pas une usine trop moderne, mais une usine comme Renault, hein, c'est très pyramidal, très hiérarchisé, et puis chacun a son rôle précis, et puis il faut rendre des comptes pour être sûr que on fait assez de voitures chaque mois, chaque semaine, etc., etc. Ça, c'est le modèle usine, très structuré. Ça, c'est le premier modèle. Donc, quand on va dans une usine, les conflits sont particuliers par rapport à cette situation particulière. Un deuxième type de groupe humain, d'organisation, c'est la famille. Alors, la famille, c'est pas tellement la pyramide, c'est pas tellement les hiérarchies, c'est les relations entre nous. C'est comment on peut vivre ensemble et on se sent solidaire les uns des autres. Il y a toutes sortes de choses qui entrent dans le cadre de la famille. Un autre type d'organisation, c'est la jungle. C'est curieux, mais il y a des groupes qui sont des jungles. Par exemple, les partis politiques, c'est des jungles. Parce que c'est qui va être le plus combatif, c'est la compétitivité, c'est qui va s'imposer aux autres. Et le dernier type de groupe que ces gens-là considèrent comme un groupe, c'est le temple. On appelle aussi le théâtre. Le temple, c'est l'esthétique, c'est l'art, c'est l'inspiration par des récits, il y a des héros, on s'inspire. Alors si vous réfléchissez à ces 4 types de groupes, que pensez-vous, où situeriez-vous l'Église parmi ces 4? Est-ce que l'Église, c'est comme l'usine? Non. Est-ce que c'est comme la famille? Oui. Est-ce que c'est la jungle? Non. J'espère. Est-ce que c'est comme le temple? Oui. Ah, vous voyez, c'est très intéressant parce que, oui, le temple, l'Église est décrite comme famille et comme temple. On a ces éléments dans l'Église. On a l'élément artistique, l'inspiration, la musique. C'est très important, la musique, n'est-ce pas, dans la Bible. Les chants, les psaumes, l'art. On a des artistes qui ont travaillé ici. Hein. Ça se voit, comme ça a été fait d'une manière artistique. J'aime ce lieu parce qu'il y a un côté créatif, un côté qui m'inspire. Plus que certaines églises où je vais, où c'est fait en 2 jours, très préfabriqué, on amène avec un camion, et c'est là, il n'y a pas de fenêtre, on peut voir dehors. C'est pas mon genre de local préféré. Ici, j'aime beaucoup, c'est créatif. Jean est un artiste, tous ceux qui ont contribué ici sont des artistes. Donc, il y a ce côté, et puis il y a le côté famille, et peut-être plus important. Être frère et sœur, être parent parfois. Hein? Jésus dit que celui qui abandonnera les siens pour le royaume de Dieu, il aura, retrouvera des pères, des mères, des frères et des sœurs. Oui, j'appelais les prêtres quand j'étais au pensionnat des pères, ça ne me gênait pas, mais après quand je me suis fait baptiser, ça m'a gêné. Mais maintenant que je réfléchis, il y a un côté vrai. On peut être père spirituel, on peut être mère spirituelle, on peut être l'enfant spirituel de quelqu'un. Hein, ça, c'est la famille. Alors, c'est important parce que quelqu'un qui est accoutumé à voir les choses du point de vue de la structure pyramidale d'une usine, supposons quelqu'un qui travaille, qui est un ingénieur dans une usine, par exemple, et qui a l'habitude de ces questions-là, qui va se convertir, qui va venir dans l'Église, il va falloir qu'il change son point de vue, peut-être, de ce que c'est qu'un groupe humain. Parce que s'il essaye de comprendre l'Église et de fonctionner dans l'Église comme il fonctionne dans l'usine, ça peut créer des problèmes. Ce n'est pas la même chose du tout.
Alors ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour partir du point de vue de notre société, de notre monde. Quand un chrétien vient d'un certain groupe, de ces quatre groupes, imaginez quelqu'un qui est dans un parti politique, qui est très influent dans un parti politique, et qui vient dans l'Église, vous pouvez imaginer les luttes, et les épreuves, et les difficultés, pour que cette personne puisse finalement comprendre, peut-être plus que 40 ou 50 ans, j'espère pas, mais pour comprendre qu'est-ce que c'est que vraiment l'Église. Vous savez que dans le premier siècle, quand les gens sont introduits dans l'Église, quand ils sont nés dans le royaume de Dieu, vous voyez bien dans le Nouveau Testament qu'il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de difficultés. Alors, l'Église du Nouveau Testament, ce n'est pas une Église, on pourrait dire, idéale. C'est une Église qui vise un idéal qu'on connaît. Mais à travers beaucoup de luttes, à travers beaucoup de difficultés, les lettres du Nouveau Testament sont des lettres, je pourrais dire, d'un médiateur, de quelqu'un qui veut apporter des solutions à des conflits, à des difficultés. Et voyez qu'il y a 2000 années d'écart entre ce temps-là et notre temps, et que nous sommes dans le monde moderne qui est très différent du monde du premier siècle. Il va falloir que nous demandions la sagesse à Dieu pour savoir comment vivre la fraternité telle qu'elle existait au premier siècle, au 21e siècle. Ça, c'est un défi énorme. Au point même que beaucoup de personnes pensent que c'est impossible. Comment voulez-vous vivre la fraternité chrétienne telle qu'elle était vécue dans le premier siècle? Comment cela peut-il se faire? La première chose qu'on apprend quand on étudie les résolutions de conflits, c'est qu'il ne faut pas nier le fait qu'il y a des conflits. Il ne faut pas essayer de se cacher la tête dans le sable, il faut y faire face. Il faut aller trouver les personnes et discuter. Il faut dialoguer, des fois c'est difficile. Il faut exprimer nos différences. Et ça, c'est difficile parce que les différences peuvent être importantes. Elles peuvent nous séparer, elles peuvent nous diviser. Vous savez que Paul dit dans Romains 14, « Ne discutez pas, n'argumentez pas sur les opinions. » Et il parle d'un certain nombre de choses. Ces choses qui peuvent nous séparer, nous diviser. Donc le Nouveau Testament, c'est une lutte pour arriver à cette unité que le Christ a voulu. Et ce n'est pas quelque chose de simple, ni au premier siècle, ni maintenant. Mais ce que Yvon a dit est très juste, c'est par là que je commencerai. La première chose pour vivre cette unité, c'est de comprendre que cette unité, c'est d'abord une création de Dieu. Jésus est la parole. Qui peut me dire ce que Jean 1, versets 1 et 2 et 3 nous disent sur cette parole? Allons-y, Jésus est la parole. Hein? Au commencement était quoi? La parole. Ok, qu'est-ce qu'elle était cette parole? Dieu. Oui, elle était avec Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait cette parole? Elle a tout fait. Elle a tout fait. Dans Genèse, c'est toujours la parole qui prime. Dieu dit qu'il y ait des arbres, Dieu dit qu'il y ait des animaux, Dieu dit qu'il y ait la lumière. Donc, c'est la parole qui prime. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est la sagesse aussi dans les Proverbes, chapitre 8. C'est ce que Dieu a prévu et a révélé. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui donne naissance au monde, à la création. Et c'est ce qui donne naissance à la fraternité. La fraternité vient d'une annonce de la parole. Comment croiront-ils? Qui peut me finir ce verset? S'ils n'entendent pas parler. Merci. S'ils n'entendent pas la bonne nouvelle, comment croiront-ils? Et s'il n'y a pas des prédicateurs qui sont envoyés, comment croiront-ils? C'est la semence, nous dit Pierre, la semence, chapitre 1 de Pierre, qui nous a régénérés. N'oublions pas que ce mot régénéré dans le grec veut simplement dire qui nous a donné une nouvelle naissance, qui nous a mis dans une nouvelle naissance, qui nous a fait naître de nouveau. Vous êtes nés, dit Pierre, de cette semence, qui est la parole vivante de Dieu. Donc à partir du moment où c'est l'évangile qui est annoncé, qui est prêché, tel que Jésus l'a voulu en Matthieu chapitre 28, ça donne naissance à une fraternité de toutes les nations, bien sûr. Hein, pas une fraternité simplement en Israël, mais parmi les gentils, parmi les Grecs. Et de là vient la difficulté. Parce que même si nous sommes tous des Québécois, et que nous parlons tous de Québécois parfaitement comme moi, il peut y avoir des différences d'accent. Et on a du mal à se comprendre. Je dois l'admettre, j'ai dû demander plusieurs fois
Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas trop. Mais après l'explication, ah, c'est ça, d'accord, j'ai appris un nouveau mot de français, alors c'est bien. Mais on ne se comprend pas forcément. Oui, et c'est tout le dilemme de la fraternité. C'est le dilemme de se rendre compte de notre humanité, de ce qui nous pèse, de ce qui nous empêche de nous aimer, de ce qui nous sépare. Vous savez, quand il dit que le Christ, il a brisé le mur qui séparait les gentils, les païens, des juifs, ça c'est un mur pratiquement indestructible. Au cours de l'histoire, c'est un mur indestructible, et c'est un mur qui existe toujours, n'est-ce pas? On ne peut rien qu'aller en Israël pour voir ça. Mais ce mur, le Christ l'a détruit, et l'a créé en lui-même, le Christ a créé une fraternité par des gens, avec des gens qui n'avaient aucune raison d'être frères. On pourrait dire qu'il n'y a aucune raison que nous soyons tous ici ensemble aujourd'hui. On pourrait dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous séparent, si on réfléchit bien. Notre histoire, notre passé, notre éducation, notre manière de voir ceci ou cela, ou notre manière de parler. C'est quand même un miracle de Dieu, de sa puissance, que nous sommes tous ici, aussi disparates que nous soyons, aussi différents que nous soyons tous un. Et si on regarde ça à l'échelle d'une province ou d'un pays ou à l'échelle du monde, c'est encore beaucoup plus extraordinaire. La fraternité, il ne faut jamais perdre la vision de sa grandeur. Parce que Jésus dit bien, allez vers toutes les nations. Vous savez, moi je prêche dans une église depuis 7 ans. Nous avons commencé à 25. Nous sommes 140. Mais déjà je vois le risque dans cette église. Je vois un risque de se concentrer sur nous-mêmes, à nos besoins, les choses que nous voulons faire pour notre Église. Et je dois lutter avec ça, constamment, presque chaque dimanche, je dois dire à mes frères et sœurs, nous allons vite nous enfermer dans les choses qui nous préoccupent, alors que nous devons rester, conserver l'idée de la mission. Parce que les frères, la fraternité c'est beau, mais elle existe uniquement parce qu'il y a une mission vers le monde extérieur. Et c'est très facile de s'enfermer dans le bonheur et la joie d'être frère. C'est très beau d'être frère, surtout dans un monde qui n'est pas chrétien, qui ne nous accepte pas. C'est facile de nous réconforter, de rester dans le nid, en quelque sorte, alors qu'il faut en sortir. L'Église, souvent, ne grandit pas. Et même, je pense à des grandes églises que je vois aux États-Unis et qui, non seulement ne grandissent pas, mais diminuent. Je constate que si ces églises ne grandissent pas, c'est simplement parce qu'elles sont centrées sur elles-mêmes, sur leurs propres besoins, sur ce qu'elles veulent faire pour elles-mêmes. On a beaucoup de choses qu'on peut faire qui nous encouragent, qui nous aident, c'est important. Mais dès que nous oublions notre mission, qui est d'aller vers ces personnes, vers ces gens qui sont là dehors, vers ce père de famille, vers cet infirme, vers ce malade, nous avons tous la possibilité d'aller vers quelqu'un à l'extérieur. Et c'est très facile de nous réconforter avec la fraternité, d'être content de venir le dimanche, c'est tellement agréable. On boit le café ensemble, on mange des petits biscuits, ils étaient très bons d'ailleurs les petits biscuits, j'en ai mangé plus que 3, je dois l'admettre. Je suppose en manger que 2, je me confesse, j'en ai mangé 3. Et probablement j'en mangeais un 4e tout à l'heure. Mais ça c'est la fraternité. La fraternité est une création de Dieu. La parole, nous avons dit, elle était Dieu, elle était avec Dieu, elle a tout créé. Alors qu'est-ce que Jean dit pour ceux qui l'ont reçu? Ceux qui ont reçu cette parole leur a donné le pouvoir de quoi? De devenir enfant de Dieu. Très bien. Ce n'est ni par la volonté de l'homme, ni par la volonté du sang, ni de la chair, mais par le pouvoir de Dieu. Et ça, c'est on pourrait dire, j'appellerais ça un miracle. Le plus grand miracle, c'est que Dieu peut prendre un pécheur, quelqu'un comme moi, comme vous, qui ne connaît pas Dieu, qui ne s'intéresse pas à Dieu, et le prendre et le transformer au point qu'il devient son enfant et qu'il même va le servir. Ça, c'est le plus grand miracle. C'est une résurrection, la Bible le dit bien. Une résurrection, c'est quoi? C'est un miracle. Je suis ressuscité. Vous êtes ressuscité. Déjà maintenant. C'est pour ça que le baptême, on ne peut pas en diminuer l'importance.
Parce que dans ce baptême s'exprime cette puissance de la résurrection. Dieu nous a ressuscités ensemble dans le Christ, hein, n'est-ce pas, c'est Paul qui dit cela. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, Éphésiens chapitre 1, verset 1. Celui qui est en Christ, ceux qui sont en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, sont quoi? Une nouvelle création ou créature. Une nouvelle créature entièrement renouvelée. Le Jean-Grenier d'aujourd'hui que vous voyez, c'est un Jean-Grenier qui est différent qu'une nouvelle créature du Jean-Grenier d'avant sa foi et son baptême. Il est même un différent Jean-Grenier d'il y a un an ou deux ans. Parce que non seulement nous sommes nés, nous sommes une nouvelle créature, mais nous nous transformons chaque jour. Nous sommes appelés à la transformation. Hein, soyez renouvelés par la transformation de votre pensée. Romains chapitre 12. Alors c'est une... Comment je pourrais dire, pour moi, la fraternité est une... Peut-être c'est un peu négatif, je dirais que c'est une lutte permanente. C'est un combat permanent contre nous-mêmes, contre notre tendance à l'égoïsme, au péché, contre notre difficulté à pardonner, contre le fait que nous avons des opinions que nous voulons imposer, contre nos difficultés à écouter nos frères parce que nous avons nos idées. Assez difficile, la fraternité. Je dirais presque c'est impossible. Vous voyez, quand la question est posée, mais qui peut donc être sauvé? En parlant des riches. Qu'est-ce que Jésus répond? Quelqu'un sait la réponse? Aux hommes, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. À Dieu, c'est possible. C'est-à-dire que notre fraternité ici, pour les gens en dehors, il faut que ça a un caractère, on pourrait dire, surnaturel. Pas parce qu'on prétend faire les miracles, mais parce qu'on est le plus grand miracle, puisqu'on s'aime les uns les autres, qu'on s'entend et qu'on arrive à résoudre nos problèmes sans nous haïr et sans nous battre et sans nous tuer les uns les autres. Le monde de dehors, c'est un monde en lutte, en conflit, c'est un monde en guerre. Tout dehors, c'est la guerre. En Christ, qu'est-ce que nous recevons? La paix. Hein? Romains chapitre 5, nous avons la paix dans le Christ. Ces choses-là sont la paix, la joie, la justice, selon Romains chapitre 14, c'est l'œuvre de l'Esprit. Là, on voit l'Esprit de Dieu. Là, les gens peuvent regarder ou doivent pouvoir regarder et dire, là, il se passe quelque chose qui n'existe dans aucune religion que je connaisse. Il existe quelque chose que je ne vois pas dans les églises. Il y a quelque chose d'absolument incroyable de ce qui se passe ici, à Saint-Ambroise. Je n'arrive pas à l'expliquer. Il n'y a aucune référence qui me permet d'expliquer ce qui se passe ici. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Le plus grand obstacle à l'œuvre de Dieu, à la fraternité, c'est nous. C'est nous. Dieu, il n'y a pas d'obstacle sinon pour lui. Le monde dehors, qui même s'attaque ou qui menace l'Église, ce n'est pas un obstacle. Parce que regardez, même les Romains qui persécutaient, qui jetaient les chrétiens en lion, ce n'était pas un obstacle. Le plus grand obstacle, il est dans notre cœur. Il faut donc travailler dans notre cœur. Il faut demander chaque jour à Dieu la capacité d'être frère et sœur. Ce n'est pas évident. Sans une œuvre de Dieu dans notre vie, ça ne va pas se faire. C'est miraculeux. C'est surnaturel. Ça ne peut pas se faire par nos propres forces. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est ce qu'il faut rechercher et c'est là notre but. Et pourquoi? Jésus l'a dit. Je vous donne un commandement nouveau. Quel est le commandement nouveau? Quelqu'un peut me le dire? Aimez-vous les uns les autres. D'accord. Aimez-vous les uns les autres. Et quel est le résultat quand on accomplit ce commandement? Comment est-ce que le monde saura que nous sommes ses disciples? Par cet amour les uns pour les autres. Ce n'est même pas par la prédication, ce n'est même pas par l'enseignement, mais c'est d'abord et avant tout par cet amour que nous avons les uns pour les autres, et dont Bren a bien dit que c'est cela auquel les gens aspirent le plus. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas. C'est comme les gens qui ont faim de quelque chose de très bon. Ils ne savent pas qu'ils ont faim pour du pain français et du fromage français. Ils ne le savent pas. Mais le jour où on apporte un roquefort et une baguette, là, ils ont compris. Désolé pour la nourriture québécoise. Mais c'est la vérité. Non, je parle de la Bible. Je parle de la Bible. La vérité, c'est que c'est l'amour les uns pour les autres qui va convaincre. Et ce que le diable va faire, toujours, dès le début d'une église, ou même quand elle est grande, c'est d'essayer de mettre la haine, d'essayer de mettre
la dureté, l'inflexibilité, les tensions au milieu de nous. Il va faire ça parce que dès qu'il peut nous diviser, nous séparer, dès qu'il peut mettre de la haine, dès qu'il peut mettre des conflits chez nous, c'est fini le témoignage. C'est terminé. Donc c'est de ça que j'aimerais vous laisser avec ce message, mais c'est pas vrai ce que j'ai dit sur la baguette. Est-ce qu'il y en a, il y en a peut-être, je sais pas.